Hello la VOD. Il s'est passé exactement 4 secondes. 5. 5 et demi, je pense. Entre le moment où j'ai terminé la première et au moment où je reprends celle-ci. On est sur l'affrontement avec le clown. On doit trouver Blood Drive. Et aller au bout de la jetée ou je ne sais quoi. Descendez de cette jetée qui s'effondre. Voilà, faut se barrer d'ici. Je suis un peu cramé. Je crois que tu verrais le film ça. Jamais je regarde ce genre de film moi. Je pensais que c'est parce que tu l'avais vu que t'avais été traumatisé comme certaines personnes. C'est-à-dire comme plein de gens, mais non, c'est qu'au-dessus de base les clowns. Moi, avec ou sans ça, je trouve ça un peu flippant. Enfin un peu... pas rigolo en tout cas. On va recycler hein. Ça, et ça, et on va encore recycler. Non, pas option. Voilà, je recycle les armes qui n'ont pas de caractéristiques, des armes blanches classiques qu'on trouve un peu partout. Merde, that's a fucked up collection. C'est dégueulasse cette collection. Ah, ceux-là. Mais on voit des morts partout, meuf. C'est bizarre que tu tiques que sur certains. Je peux passer là? Non, je peux pas, je faisais des tests. Ça va, je faisais des tests, ok. Ok, il faut que je me barre d'ici. On va essayer de trouver un moyen de passer quelque part, je sais pas où. Là, ici, une sorte de porte. Je peux pas passer. Là, il y a aussi une porte, mais il y a rien derrière. Ah, mais tiens, il y a un truc ici à faire. Oh, Blood Drive! Ah, mais c'est ça! Je crois que c'était quelqu'un, moi. Je lis pas, hein. Vraiment, je suis pas à fond. Hein. Let's see. Yeah, baby, we got this. Pourquoi, comment ça veut dire si on est sur l'affrontement du clown? Pourquoi? Mais parce que ça se voit, c'est un boss, quoi. Ah, il m'a buté! Je crois que j'étais traumatisée tout petit déjà. Je me souviens d'une BD qui apprenait à ma mère. Qui appartenait, pas apprenait, appartenait à ma mère et ma grand-mère, donc les graphismes des années 60, les graphismes. Et putain, un clown! Ouais, mais hey, en vrai, il a deux clowns que le maquillage. Ferme les yeux, je te dis quand tu peux ouvrir, ferme les yeux! C'est qu'un clown à cirque cauchemardesque. Ouais, mais ces BD-là aussi, elles sont trop flippantes. Ah, d'accord, je peux pas parer. Ok. Il va où? Oh, tu es Butcho! Mais papi Butcho! Ah! J'en profite. Reviens les copains. S'amuse là. Ah, il va se heal ce petit bâtard. Ah, il se heal en bouffant. Ta gueule. Oh, le petit cul. On sait ce qui va lui arriver, ce petit cul. Il va se prendre du plomb dans le cul.
Il est où, il est où Il est en train de se heal. Je vais m'assurer que tes heals soient plus néfastes qu'autre chose. Ah, je me suis trompée. Allez. Il est où? Cours, je t'en supplie. Mais cours pas. Oh, il se heal trop bien en vrai. Il est insup, ça va être trop long. Cible, c'est tellement plus facile dans ce jeu. Il est où? Se barre. Il est pas mort, toujours pas. Mais... ça fait plein... il y a beaucoup de mobs où vraiment j'arrive à la fin de leur barre de vie et je ne leur mets plus aucun dégât à partir de ce moment-là. T'es en ouf. Tu lui mets plus rien. C'est pas la première fois hein, depuis le début de la soirée. Mandala dans la gueule, j'ai le mandalé là. Appelle-moi mandala. Pardon, pardon, pardon. Merci. Merci beaucoup. L'inventaire est plein. On va recycler des armes en effet. Je suis contente. Ok. On va regarder ce qu'on peut loot, mais ça c'est des armes. Bon, je vais les prendre pour les recycler. Mais c'est vraiment pas des armes utiles. Mais bon, des compos, on les prend. Hein. C'est bon? Ok, bon je vais prendre ça. Retournez au Sterling Hotel, là où il y a tout le monde. On y retourne à Yep. Ah mais je crois que je peux me TP. Mais bon, si ça peut me permettre de loot un peu, c'est bien. Wow. Ah ouais, ça s'écroule complètement en fait. Est-ce qu'il faut que je fasse un truc? Non, je crois pas. C'est rigolo. Attendez, je suis folle. Ce genre de scène, c'est pas forcément toujours très impressionnant en première personne. Il est mort? Ouais, il est mort. Je l'ai tué. J'ai tué Boccio le clown. Boccio.
Et du coup, j'ai essayé de partir, et sauf que le pont, il était tellement tout niqué qu'il a commencé à s'écrouler quand je marchais dessus. Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Mais oui, il est mort! Comment ça se fait qu'on apparaît là alors qu'on était au-dessus de l'eau? C'est chelou! Tu vas tout niquer l'ordinateur. Je vais tout niquer tout. Bon, plusieurs choix s'offrent à nous. Soit là, on fait cette quête secondaire qui est juste en face de nous, qui est très tentante. Soit... on va voir si on arrive à la fin ou pas. Bon, j'avoue, il y a ça et il y a une bouteille à la mer. Alors on va regarder quand même. Ouvrir. Attention. Oh, cruelle ironie du sort dont la destinée entend m'affubler. Un ramassis de dédoyauteurs de fraises déguisés en petits soldats a jugé bon de me refuser l'évacuation prioritaire. Une coupure... Dédoyauteurs de fraises ? Une coupure générale des réseaux m'empêche de m'adresser à mon imposant lectorat en ligne. Et mes bêtes voraces tout juste à... Et des bêtes voraces tout juste à engloutir plutôt qu'à... De quoi tout juste bonne? Punaise, j'oublie un mot! À engloutir plutôt qu'à savourer leur proie rôde à chaque recoin des éventuels chemins de fuite. Et c'est ainsi que moi, Anthony Oliver, suprême autorité gustative de la Californie... C'est un critique culinaire qui se la pète de fou! Me retrouve seul échoué dans un cloaque que j'ai maintes fois décrit en ligne comme le restaurant de fruits de mer le plus violemment surévalué de la Cité des Anges. Oh, cruelle ironie, disais-je, que mon seul salut fut de me réfugier sur la jetée terrée au fond du bien nommé Bucket, ce triste seau de poiscailles variées. Mais il faut reconnaître certains mérites à cette parodie vulgaire de spécialité des fruits de la mer. Mes barricades tiennent bon à l'homme affamé, même un fond de poubelle est douce ambroisie, et la cave, bien que juste passable, m'offre moyen de m'affranchir des limites de la technologie pour adresser un message hors de la ville. Hélas, si des secours n'arrivent pas très vite, je crains que ces murs défraîchis ne deviennent mon mausolée. Mais si cette missive parvenait un terrain égaré, veuillez me faire donner la cavalerie sur la jetée de Santa Monica, afin de me sauver et de sauver ma cité. Enfin, si ces mots se révèlent être mes derniers, puisse le monde se rappeler de mon nom, Anthony R. Oliver, l'homme qui sut digérer ce que cette ville recelait de pire. Signé. Anthony R. Oliver. Ça me rappelle l'épisode de South Park. Comme beaucoup de choses me rappellent les épisodes de South Park. Sur les critiques culinaires de... Comment ça s'appelait la plateforme qui était un peu une référence pour ça. Ah, je me rappelle plus. Se prennent tellement pour des oufs. Et écrivent des trucs de ouf à chaque fois qu'ils commentent, qui critiquent le moindre resto. Et finissent par être les rois de la ville parce que tous les restos ont trop peur. De leurs notes. Et ça se finit par tous les restaurateurs qui, dès que les critiques débarquent, foutent de la morve et du sperme dans leur repas. Voilà. Il y a une musique qui s'appelle La morve et du sperme. Ok, ça va me saouler. On va essayer de faire cette petite quête secondaire qui, quand même, a l'air rigolote. C'est peut-être le refrain quelque part. Hein. Attendez. South Park. Ah, je suis encore tillée, j'avais oublié. Attendez.
rêve meilleur. Vous allez en bouffer de la morve et du sperme. La morve et du sperme. Spécial Yann Perron l'appelle. La morve et du sperme. Bref. Je l'ai pas inventé, hein. C'est pas mon esprit à moi qui a inventé ça. Où elle est la quête bleue? Elle est là? Et si vous voulez voir les images, je vous mets le lien. Parce que c'est assez imagé. Hop là! Alors, la quête bleue, la quête bleue. Message en bouteille. Trouvez les critiques culinaires arrogants. Il va être insupportable, ça va être très rigolo, je pense. Enfin, ça peut être très rigolo. Oh! Attendez pas à ça, disons. Disons. Arrête-toi. Ça finit, oui. Je suis pas en QWERTY, je peux pas jouer. Voilà. Je suis en QWERTY, je peux jouer. Oh, je l'ai éclaté. Alors. Alors. Alors, ça dit quoi? Mais ta gueule, toi! C'est bon là, c'est bon. L'arrête là, c'est bon. Des trucs ici. Bon. Mais c'est pas possible, ils me courent dessus de trop loin et je vais passer mon temps à les buter. Ça va être trop long parce qu'ils sont trop chiants. C'est ça qui est chiant. Ça m'appelle Left 4 Dead, hein. Bien crade. Ah, c'est ça, quoi. Il coûte ce son là. Tac tac tac. Je veux pas où, hein. Flemme. Hein. Je vais chercher le critique, moi. Je fais ma mission. C'était critique pour Yelp. Yelp. C'est ça le site. Yelp, je crois. C'est bien par là que je vais aller? Je sais plus, hein. Si je vais par là, oui, c'est bon. On va essayer de looter un peu. Mais bon, j'use aussi mes armes en faisant ça, alors je sais pas. Wouto! Rigolo. Mutilé. Ah, c'est ça quand ça s'appelle mutiler un zombie. Donc quand il y a un bonus à la enfin, lié à la mutilation d'un zombie, bah c'est quand je l'éclate avec ma jambe par exemple. Et j'imagine que si je coupe un membre, ça marche aussi. J'imagine. Où le critique, hein? Non, c'est pas là. Clairement pas là. Ah. Ah, mais j'ai pas accès. De l'autre côté, faut que j'aille par là? Ah oui, ça doit être ce resto. Ouais, d'accord. Peut-être que je peux faire le tour. On va regarder la map. Et oui, voilà, j'avais pas vu. En dézoomant, on voyait pas ça. Là, peut-être? Par là, bah, je pense pas. Et bon, ok. Ah.
Il faut que je sache exactement où je vais là. C'est par là ? Après je vais par là. Après je fais le tour. Detective Carla, on the case. Je peux pas aller là-bas. C'est tout fermé quand tu rentrais. C'est plus fermé, trop bien. Ah mais si. Anyone in here put a message in a bottle? Un petit tour. Oh non, le petit tour il est court. Parce que bon, en fait c'est tout fermé partout. Ugh. I hate the smell of fish, even when it's fresh. J'avais pas besoin de ça. Je sais plus comment je mets la lumière. B, N, U, I. Bien sûr, j'ai essayé les classiques, mais c'est pas ça. Je sais plus. Je sais plus, mais j'ai un besoin. Je sais plus. W. Y. Y. Non, W, X. Y, c'est vachement loin. Someone was here. Non mais ils ont tous le même type de piège, comment ils font les gonzes? Ah oh, faut que je coupe l'eau. Ou l'électricité. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais je comprends même pas comment j'active des pièges alors que je fais rien du tout, je fais ce que passer aux endroits où je suis déjà passé. Vous allez vraiment me buller à la sortie là? Bande de harceleurs. Yeah. Je vais prendre une barre. Ah j'ai une compétence à mettre? Ah oui! Oh il y en a plein de nouvelles. Toucher avec une arme à distance ou de lancer. Bonus modéré de dégâts. Aux armes corps à corps. Oh ok. Autophage chez Pril. Chez Pril. Je l'ai bien lu. En colère sanguinaire, les attaques au corps à corps. Frappe d'en haut, inflige des braises aux zombies qui dépensent plus de colère sanguine. Ah mais dépensent plus de colère sanguine, ok. Il y avait l'autre truc, c'était quoi, c'était ça? Va cogner, donne attaque puissante. Donne à l'attaque puissante un bonus majeur de dégâts. Elle dépense de la santé. Bah ça hein, voilà. C'est bien. C'est bien. Ah je peux passer par là en vrai. Mais oui, tout simplement. M'en fous, j'ai pas le time. Ah, j'ai enlevé l'eau. Mais j'ai enlevé l'eau. Ça a pas du tout enlevé l'eau. Non, mais c'est vacu au bout d'un moment. Vraiment? Arrêtez de m'en prendre par ma mouille. Regarde. Oh mais j'apparais là. Mais du coup je l'ai pas trouvé le gars. Utilisez l'avis qu'il a publié pour le pister. Ah, la vie. Hors de question d'endurer une seconde de plus le bucket of fish. Les placards déjà peu... On va agrandir.
Les plaqueurs, déjà peu religieux, ont définitivement lâché la patate. Lâcher la patate. À l'instar des anciens employés, les aliments dont la fraîcheur était déjà contestable ont commencé à pourrir. Ainsi, si l'on peut dire que les menus du Bucket of Fish proposent enfin une certaine saveur, elle n'est pas d'un genre propre à la consommation. Les murs sont fissurés par les secousses à répétition. Mais ouais, en fait, il y a plein de tremblements de terre. Et aujourd'hui, la cave à vin jardis, ce seul bouée de sauvetage de l'établissement est vide. Même les familles de rats qui vivaient là depuis si longtemps ont quitté le navire. J'avais donc ce pauvre Boui-Boui à une étoile, note sévère mais juste, et qui pourrait être pire encore si la révulsion qu'il inspire ne m'avait pas au moins motivé à prendre la plume pour me distraire de la faim qui me ronge. Ça ne peut être le dernier refuge impossible. J'ai écumé les tables jusqu'au plus minuscule établissement, à 30 km à la ronde. Je les connais comme personne et en fait, je sais peut-être où aller. Le grill est médiocre, le mobilier extérieur était déjà un regard, mais il y a 10 ans, mais l'armée avait installé un héliport juste devant l'entrée. Oh, je crois que je vois. Je crois. Plein ta mouille, ouais. Ça veut dire plein ma tronche. Ça sert à rien d'extrapoler. Don't extrapole. Oh, mais comment on les voit? Regardez, toute une armée mais qui ne bouge pas, toute gentille. Pourtant ils peuvent passer hein. Oui. Quoi ça? Il y a du loot là-bas. Oh je pense pas, venez on y va pas. Oh mais ça je l'avais pas looté tout à l'heure. J'avais compris. Ouais ben hein. T'as mis point d'interrogation quand même hein. Attention hein. La mandala va partir hein. Un héliport juste à côté. Je sais pas où c'était moi. Si c'était là-bas. Il y avait un hélicoptère qui était à moitié rentré dans un truc. Ouais mais là avec les militaires, il y a des militaires qui ont mis plein de trucs. Pouchon. Un héliport. Ça, hein. C'est ça qu'il a dit, le gonze. Non. On se concentre. Bucket of Fish, on était là. Bah, le grill. Il est forcément au grill, en vrai. Non? Je pense, hein. Ouais, hein. Moi je pense. Hein. C'est logique. Hein. Voilà l'hélicoptère qui était rentré dedans, je me rappelle. I remember that. Oh, attends, ta gueule. That'll be something around here. Trop stylé, ça m'éclose à la gueule. Oh non, il y a un gros balèze. Ça lui a rien fait, c'est génial. Je suis trop contente, ça lui a rien fait. Mais je savais pas! Je savais pas. Je savais pas qu'on pouvait mourir quand on est enragé. Je savais pas. Oh, une valise, hein. Ah! Mais dis que. Fais tiens. Ça va. Ça va. J'ai fait E pourtant en sautant, mais ça a pas marché, je sais pas pourquoi.
Ouah, le strike. Pas du tout. Le home run. La meuf qui s'y connaît trop en sport. Strike. Balle au centre. Ça peut-être ? Non, bah non, tu vas résister de fou. Je crois qu'il faut que ça coupe, c'est bien. Ah mais ça, t'as pris cher en fait. Ah le feu, tu l'aimes pas, hein. Dégager avec un H dans un rond. Mais non, mais là c'est pas le cas, là c'est pas dégagé, y'a pas un H dans un rond, y'a carrément un hélicoptère. Rentrer dans le resto concerné. J'ai glissé. Une masse. Monta rapping. Monta rapping. Par où je peux rentrer dans le restaurant? Je peux pas rentrer en fait. Le pierre grill. Mais comment je rentre? Ah bah par là peut-être? Non. Il y a une porte dans une porte. Fouiller le pierre grill. Bah ouais, mais je veux bien, mais faut que je puisse rentrer en fait, dude. Ah par là, par là-haut, ok. Quoi encore? Pourquoi ça me bloque tout le temps? Pourquoi l'entrée de ce truc? C'est où l'entrée de ce truc? Je trouve pas l'entrée de ce truc. Voilà, c'est plus simple de passer à côté. Mais j'ai fait F. Ah mais si, comme ça. C'est comme ça. Pas du tout. Oh là là. Comment je... Comment... Parce qu'il faut que je rentre pour passer là-haut. Ah mais je pensais que c'était relié, mais pas du tout. Ah si. Bah si, bah si. Par là. Ah y'a du monde là. Faites chier un peu. Là, il y a une porte, elle est pas accessible. Né. Bah je vois pas comment rentrer. Bon, si c'est pas par là, c'est par où? Non mais si, c'est forcément par cette petite cour intérieure. C'est sûr. Ah mais en faisant bien bien le tour, je peux aller de l'autre côté. Vous avez pas fait gaffe, je pensais qu'il y avait un grillage aussi. Ah la porte, bah... c'est tenté déjà, je dois t'avouer. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est pour moi ça, c'est pour Bibi ça. Mais ça me saoule, je suis obligée de faire tellement de détours pour entrer dans ce pierre grill là. C'est normal ça? Il y a un truc qui va pas. Mais je comprends pas du tout. Je vais retenter par ici. Est-ce que c'est quand même bon? Non. Non, ici non. Bon bah c'est peut-être vraiment au niveau de du restaurant lui-même que je peux trouver la soluce. Ça c'est Kevlo, ça c'est Kevlo. C'est Kevlo. Ça c'est Kevlo. Peut-être de l'autre côté du coup. Un peu dans l'air, reviens un peu en arrière.
Attends, je vais essayer par là. Il y a clairement un passage, non? Attends, je vais essayer par ici, on ne sait jamais. Pas du tout. Ça me gonfle, hein. Là où tu attestes de sauter, ok. J'y retourne. Peut-être par ici aussi, mais c'est... Voilà, c'est pile poil trop haut, en fait. Ça m'étonnerait. Ah, attends. Ah, je pense que c'est par là. Et le jeu l'accepte. Ah non, pas du tout. Je crois que c'est pas du tout par là. Ah mais ça peut se péter ça? Peut-être des trucs que je peux péter alors. On va voir. Je vais virer encore des trucs de mon inventaire. Genre ça. Ok, je refais le tour. Je vais essayer de sauter ici. Merde, j'ai trompé le bouton. Mais je comprends pas, hein. Ouais, le petit grillage à la con, ouais. Bah non, mais en fait, là, je vois pas. Fouiller le pierre grill à la recherche du gars, ok, mais je ne peux pas rentrer dedans. Donc, bah, c'est pas fou, quoi. Là, j'avoue que je vois pas trop comment faire. Hein. J'ai fouillé. Je suis au max, quoi, niveau fouillage, là. Bah je sais pas, on va abandonner cette 4 secondaires parce que j'ai envie de chercher pendant 20 ans non plus, j'ai déjà beaucoup cherché là je trouve. Peut-être là? Peut-être là-haut? Non. Ça repart en boucle, ouais, en plus. Alors il y avait des trucs qui ont sauté mais ouais. Après le pierre grill est toujours là. Est-ce que là il faut que je passe par dessus? Mais ça m'étonnerait parce qu'il y a des grillages barbelés et puis de toute façon ça marche pas. Et là j'arrive au bout. Est-ce qu'il faut que je passe par ici par exemple? Mais je ne peux pas et en plus ce serait fermé. Bah, c'est pourri un peu de pousser à faire un truc comme ça si c'est pour qu'en fait on te dise pas comment. En plus, il me dit de revenir par là. Je vais suivre exactement le point et voir où ça, me mène. Si, bah, j'ai déjà bien vu, je pense, quand même. Ou alors, on peut pas rentrer, faut juste fouiller la terrasse? Ah ouais, faut aller juste fouiller la terrasse. Oh putain. Faut te le dire le jeu quand même. Ah mais tout ce qui me suit là. Oh là là. Ok, on va lire la vie.
Bouteille à la mer, et c'est F4. Il y en aura encore un à lire après. Bon, je vais pas lire. Hein. Pierre Grille, pitoyable, machin, machin, les serveurs. Nanana, nanana. Quitter la promenade, c'est un truc que je ne donnerai même pas la main. Je préfère encore bouffer dans la poubelle que goûter aux fruits de mer. Il me faut en manger. Chercher à manger frais était une erreur, mais forcer de rester fidèle à ma déonto machin. Du gras, du gros, du sointant et surtout je veux vite. Ce genre de viande dont personne ne sait trop d'où elle vient. Ok. Ok. Du gras, du gros, du sointant, le genre de... Vous êtes par là. Non, Bassé et Lox la meilleure. Oh, merci. Luigi Pizzeria, je pense. Il quitte la promenade. Soit le snack, soit la pizzeria. On va aller à la pizzeria. C'est rigolo, le seul truc, c'est que c'était pas très clair, quoi. Rien ici. T'es sûr de ça? Ah! Oh, flemme de fou. Eh ben du coup, ce serait au snack alors. Something's chowing down round back. C'est chiant que ça reprend en boucle comme ça. C'est un peu dommage. Hey man, save some for the rest of us. Oh là, je suis dans la... Dans la tétra sauce. Il faut du feu. Dégage, je t'en supplie, dégage. Oh, je peux faire ça. Dedans, je voulais pas rentrer dedans. Je suis coincé. Je suis coincé. Mais pourquoi ça lui fait rien? Je comprends pas, j'ai des armes, elles font rien. Toi, ta gueule! Bon, ça lui fait rien, ça non plus. Oh, c'est super lourd! T'as vu que je peux pas refermer les portes derrière moi? J'ai rien à looter sur eux. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il est mort. Ah non, là je glisse plus. Bon, je voulais looter tranquille, mais je pense que c'est mort. On a fini la quête apparemment. Ah.
C'était un peu décevant comme des nouveaux. Et du coup voilà, il est devenu gros et gras quoi. Regardez quand même. Ah mais j'aurais pas retrouvé ça moi. Objet à collecter, compétences, défi inventaire. Bon. Oh je sais pas où c'est. Bon tant pis. Et merci à Vendult pour le message au fait. Je sais plus si je l'avais dit. Le connaissez-vous PRIME? Allez, on va rentrer voir le docteur. Je peux me TP ou pas? Oui, il apparaît devant moi, ouais. Ah oui, non, c'est vrai, celui-là. You're not a zombie in disguise. Then I'm friendly too. Name's Zeke. People call me Zeke. New Zeke. Seeing as we're all stuck out here. Anything you want to trade? J'aime écouter de la musique. Ok. Faut que je rentre vendre des trucs pour voir si je peux me faire un peu des sous. J'avais pas vu qu'il y avait un coffre. Ok. Ah mais c'est un vendeur. Oh mais j'avais pas capté. Je vais vendre ça. Je vais vendre ça. Je vais vendre une des armes là comme ça. Et une des armes comme ça. Voilà, et on verra. On verra après. Ah. Hop. Ça je vais vendre. J'aime pas. Ça me saoule. Ça aussi. M'intéresse pas. Shit. Ensuite. Je vais mettre là pour le moment. Quoique, hein. Je sais pas qui parle l'autre, mais j'accasse ça. Ça, j'accasse là, hein. Je peux y aller le niveau de celui-ci? Pas dingue. Et je veux voir pour le modifier. Voir si je peux mettre les bonus. Toujours pas. Donne un bonus de dégâts modérés face aux attaques puissantes. Non, c'était pas cela. Je sais plus sur quelle arme, c'est sur celle-là, je crois. Ah, je peux toujours. Il manque toujours une compo. Ça me saoule. Nouvelle carte. Compétence sauvage, une relation toxique en colère sanguinaire. Une attaque au corps à corps à flèche liquéfiée aux zombies mais dépense plus de colère sanguinaire. Pourquoi pas? C'était quoi? Allez, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est bon, t'as fini de raconter ta life, l'ami? C'est gentil. T'avais des trucs à vendre sympas? J'ai pas regardé. Non, hein.
pas fou, hein. Ouais. Et du coup, faut que je me TP à Santa Monica? Non, je sais plus. Faut que je fasse quoi? Ocean Avenue. J'ai jamais utilisé le TP, c'est la première fois. Depuis que je joue au jeu. Je crois, hein. Cinématique, peut-être? Bientôt. Oh, il est 4h30, il va falloir que j'aille dodo moi. Ah. Ah lolo. Weird lady. Weird lady, vraiment? Last. Don't be rude, Ruben. You should rest. No, I want to talk to your friend. Sit down. Ah oui, on l'avait vu. Ruben and I were just reminiscing. Oh yeah. Ah, j'ai pas compris en fait. Oui, dodo time un petit peu, hein. Ruben, it was a little more than that. I was his oracle, his Pythia. So, how have you been? You look different. You tried to kill me. Is that what I did? Ah, mais c'était pas une hallucination alors. Or did I do something else? Lola, you promised you wouldn't interfere. No, Ruben. We promised that we wouldn't interfere. Je comprends pas. You already galloped across that Rubicon. There is too much. Hey, Doc. Where the fuck? Oh, wait. Who the fuck? Hey, hey. Not now, Jimmy. No, we fucking agreed. The whole group gets a say on newcomers. Don't hey. Worry, Mr. Montana. Jimmy Montana. Jimmy Montana. Yeah, you probably see me on TV. Fabulous, Mr. Montana. Well, I was just about to leave anyway. But I must just drop in on Tisha before I go. You can't see her. Oh, Ruben. Tisha, c'est sa fille, c'est ça? Oui. Je crois. She ain't here. What do you mean? Well, she went out looking for food with a little gang of hers. They're overdue. I always told you, Ruben, the tighter the leash, the harder they pull. Elle est en représentation constante et elle me regarde en mode... On dirait vraiment une... On dirait vraiment qu'elle parle à la caméra, quoi. Elle est pieds nus en plus, en mode de fuck. Pourquoi tu l'as laissée? Hey, she ain't my kid. If I was in charge... Listen, you yeah, fucking whatever! Things were getting freaky with me. Oh, please! We need... No, I need her back safe, alright? Look... It's gonna take time to analyze your blood to get answers, right? Now, Tisha doesn't have time, right? Hey, it's okay. Okay. I'll find her. Thanks. Thanks. Eh bétito. Même Tisha, on savait qu'on allait devoir aller la chercher. Dès qu'on l'a rencontrée, on a su. Nous suce. ENT à la fin, évidemment, c'est comme ça qu'on dit, hein. Va falloir que je fabrique déjà des soins, parce que j'y pépé. Ensuite, normal. C'est comme ça qu'on conjugue, excusez-moi. Par contre, j'ai toujours pas les compos qu'il me faut pour faire tous les milliards d'améliorations que j'ai débloquées qui ont l'air bien. Mais je ne peux pas les faire, ça commence à me rendre ouf. Ça commence à me rendre ouf. Quand je fais F de amélioration, et là, j'ai toujours des trucs qui manquent. Mais toujours. Et pourtant, je loot un max. Nous suit. Bon, c'est vrai. Aussi, c'est vrai. Peut-être ça. Déclenche une explosion à l'impact. Je veux ça, moi. Laisser un zombie a une chance de restaurer de la santé. Je veux ça. Zombie génère une flaque de combustible en feu sous ses pieds. Ça a l'air trop pratique, tous ces trucs. Et la seule que je peux faire, c'est... Infliger un coup critique a une chance de déclencher l'explosion. C'est bien, sauf que je ne veux pas utiliser mes compos pour ça, si elles sont si précieuses. Quoique, attends, sécrétion inflammable. Il m'en faudrait pas pour les autres améliorations qui m'intéressent. Bah, je vais le faire. J'ai mis à la place de quoi ? On monte les dégâts mais réduit la dura.
Ça c'est quoi, flux de puissance? Un truc sur les coups critiques, bon, on va plutôt mettre ça alors. Allez, je mets ça. On verra. Regarde en bas à droite sur chaque compo. Ah, pardon. Genre typiquement, imaginons, je fais genre ça, ça. Il y a un truc que je suis censé voir. Les bras tranchants. Ah mais ouais, mais les bras tranchants c'est rare. C'est rare. Je fais une compo. Et suivre. F1. Ah, ça me dira où trouver. Ah ouais, je trouve ça un peu chiant. Mais d'accord, ça me dira où est-ce qu'il y a la compo que je veux. Ok. Ouais, c'est un peu chiant. Bah, disons que j'espère en trouver un peu plus en tuant des milliards de zombies, quoi. Répartition des tâches, machin, machin. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que je peux jouer? Si j'y galère, je te rassure, bon. Ça me rassure. Est-ce que j'ai des trucs à vendre un peu ou pas trop peu? Je vendrais bien une de mes armes, mais je sais pas laquelle. Toutes mes armes sont utiles. Là-dedans. Là-dedans, on va vendre un peu. Je peux enfin utiliser la super hache. On va regarder si on peut lui mettre la super hache. Alors, on peut avoir corrosion, on peut avoir quoi? Impacteur. Tête tranchant? Perforateur, ça peut peut-être être bien. Avec une hache. Et ça, c'est... Dégâts physiques. Dégâts hémorragie. Dégâts de feu. Ou dégâts corrosifs. Dégâts de feu, c'est pratique aussi. J'ai quoi sur moi? Je vais regarder vite fait. J'ai 100 pour ma truc. J'ai impact pour le gros machin. J'ai corrosif pour la marfeu. Une arme et une épée qui tranche. Ok, bon déjà je vais pas mettre 100 parce qu'il y a déjà du sanglant pour ça. Peut-être mettre feu. Pour me débarrasser de celle-là. Moi. Je pose bien. Tac. Ensuite, bon bah bien sûr j'ai accès à aucune de ces améliorations, tant pis. Je peux faire quoi? Il manque les dégâts, ouais c'est bien, je prends. Il manque les dégâts au moment de la durée. Et voilà. Et pas mal. Elle est pas mal du tout même. Celle-là, je pense que je vais la vendre. Ouais. Et est-ce que là, il y a des améliorations que je pourrais avoir, des plans, des trucs? Non. Ah, je peux quand même avoir là des morceaux de viscères, de trucs si j'en ai besoin pour une amélioration. On va peut-être faire ça. Parce qu'il y en a marre. Plaque de combustible de feu sous ses pieds, par exemple, ça, ce serait très pratique. Il faudrait deux tissus et deux cœurs. Peut-être faire ça, hein. Ou l'explosion. Le coup du combustible, c'est bien, parce qu'en même temps, je leur mettrai feu. Bon, allez, deux tissus, régénérateurs et deux cœurs. On va voir si on peut les avoir chez le vendeur. Si
système est pas aussi... Ouais, c'est pas fou. Oh bah... Bah y'a plus... Il y avait des compos là. Attendez, what the fuck. Ah non, c'était... j'étais dans vendre, c'est ça. J'étais dans vendre, excusez-moi, excusez-moi. Bon bah non, c'est Dedge. Dommage. J'étais dans vendre. Acheter juste un fusible peut-être. J'en ai marre de jamais en avoir. Bon. Un peu déçu. Denise, you know where Tisha went? Her crew were joking. Binko, thanks. Non, bah faudra casser du mob ou espérer trouver un vendeur qui peut-être vendra des trucs. J'ai pas fait gaffe tout à l'heure, mais je pense qu'il en vendait pas. Et du coup, ils vont pas de plan celui-là alors. Pas d'amélioration, rien. Ou alors je les ai déjà achetés peut-être. Ouais. C'est bleu cipo. Rosa! Rosa, come on! That floor is good and clean. Come join me. I don't think you're in a fit state to judge if anything's good and clean. Je vois un peu s'il y a des trucs à loot. Ah mais j'ai pas trop regardé là. Opposant à Reed. Quête secondaire. Peut-être apprendre aussi. Non mais je vais... je pense que je vais arrêter. Coucou. Je pense que je vais vous laisser. Mais en fait, voilà, le jeu est un peu plus long que ce qu'on m'avait dit. Donc c'est cool. On continuera ça peut-être dans la semaine. Je vais mettre là, comme ça je sais que j'ai une quête secondaire. Est-ce que je peux sauvegarder? Sauvegarder, ok, c'est bon. Allez, il est temps d'aller de go dodo. Hein. Je vais aussi arrêter la VOD, des bisous à VOD. C'était la suite de Dead Island.